péril. Et c'est une parole troublante parce que on se rend compte que Dieu est même impuissant face au manque de connaissance de ses enfants. Parce qu'il nous donne sa parole. Si on ne va pas vers elle, si on n'habite pas, si on ne développe pas une communion serrée et étroite avec Dieu, effectivement, tout en étant enfant de Dieu, nous pouvons malheureusement passer à côté du but. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est ça qui va se produire lorsqu'on ne se resserre pas son rapport et sa communion avec Dieu. Et ça passe, n'est-ce pas, par les Saintes Écritures. Ça passe par une vie de communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, s'arrête en disant que la communion du Saint-Esprit vous soit donnée. Il est utile de communier avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous rappelle ce que le Seigneur nous a enseigné. C'est lui qui nous prend, n'est-ce pas. Le règne de l'Ancien Testament a été placé sous l'autorité de Dieu le Père lui-même. Celui du Nouveau Testament a été placé seulement sur celui de Jésus-Christ. Et depuis qu'il est reparti au ciel, n'est-ce pas, il a envoyé l'Esprit qui, lui, nous conduit sous l'autorité et la gouvernance du Seigneur vers l'éternité. Donc, nous avons besoin donc de communier avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir effectivement connaître les voies de Dieu. Vous savez, c'est le psalmiste, je crois, qui a dit, au psaume 32, verset 8, il a dit, « Ô éternel, tu as dit que tu m'instruiras, première chose, que tu m'instruiras. Et tu as dit que tu auras tes regards sur moi. Tu as dit aussi que tu me conseillerais et que tu me suivras sur le chemin que je prendrai. » Et donc, il est important pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui. Parce que Dieu nous donne des responsabilités, nous confie des responsabilités, d'avoir donc une maîtrise suffisante de la parole de Dieu, des instructions de Dieu. C'est pour ça, vous voyez, quand il y a eu le réveil dans les Actes des Apôtres, et que les gens se sont mis à prier Dieu, ils se sont mis à chercher la face de Dieu, la Bible déclare qu'un réveil important a surgi. Et à ce moment-là, vous savez, quand le réveil arrive, il y a plein de monde, il y a beaucoup de choses à organiser. Lorsque Dieu nous bénit parce qu'on a cherché sa face, il y a des choses magnifiques qui nous arrivent, n'est-ce pas? Mais le risque avec ça, c'est que nous oublions dangereusement comment le réveil a commencé justement, dans notre vie ou dans notre église, en nous occupant de multiples tâches. Et la Bible dit qu'ils ont eu l'intelligence, les apôtres, en ce moment de dire, attention, nous n'allons pas nous occuper de ces choses-là, de tous les besoins que suscite un réveil, nous allons plutôt nous engager, nous consacrer, et c'est le verbe qui est employé, et il me parle beaucoup ce matin, ce verbe. Nous allons nous consacrer, disait-il. Et je pense que, en tant qu'église, nous avons besoin de consécration. Nous allons nous consacrer d'abord à la prière, et ensuite à la lecture et à la prédication, à l'enseignement de la parole de Dieu. Le reste qui concerne, qui est tout aussi légitime, lorsqu'un réveil survient, nous prions pour le réveil. Nous prions pour que, effectivement, l'église croisse. Nous prions pour que le corps de Christ prenne de l'ampleur davantage, parce que oui, la domination reposera sur son épaule. Et comme il est la tête de l'Église et que nous sommes son corps, il faut effectivement que nous ayons la domination sur les œuvres des ténèbres